pêche au carrelet. Voilà. Là, il va chercher le poisson dans le carrelet. On arrive au moment en plus. Eh ouais. Alors, il y en a qui sont attachés, hein, tu les vois là. Tu les vois? Ça s'appelle les pacos. Ils ont des. Comme la perche. Il doit avoir des crabes d'eau aussi. Ouais, tout. Alors, allez, là, il vient, il prend le poisson. Et de là, il va le donner à celle qui est au bord de la route c'est là-bas. La ville, hein, ouais. Et qu'elle elle va le poisson. Donc, ouais, tout est frais. Je passé chez moi, hein, le cachot carrelé, il y en a plein. Ah hein. Ouais. Donc, je connais très bien ça. Sauf que là, c'est un bateau flottant en fait. On n'est plus sur une cabane au bord de l'eau dans un estail, ce qu'on appelle l'estail nous, chez nous. Ah ouais. Non, là c'est en plein milieu. Donc c'est assez surprenant. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Et puis même l'embarcation qu'il a, le look qu'il a, le mec, c'est classe quoi. Avec la petite cabane là-bas. Mais hein. Oui. Les bidons là, en guise de flotteur et c'est tout en ferraille. C'est tenu par trois cordes. T'as vu les cordes qu'il y a là, voilà, ouais, sur les berges là. Ouais, ouais, j'ai vu. Et, voilà. Et le carrelet, en fait, il est fait en bambou. Et on regarde bien, c'est ah ouais, du bambou. C'est ça. C'est pas de la, ah ouais, c'est pas de la ferraille comme nous. Et t'as vu, il a la roue là-bas. J'ai pas vu la roue. Et la roue pour monter le carrelet. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, si je l'ai vu. Ah pardon. Oui. Donc là, il a quoi, il a une épuisette ou quoi? Comment il va faire là pour ramasser son poisson? Ça, c'est une pile. Il a tout fait tomber au fond, il a fait une filet. Et maintenant, on va faire comment? Ça, ça m'intrigue, j'ai pas vu d'épuisette. À la main. Hein. Oui. Voilà, vous avez tout vu. Ouais.